Bon, ben bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue l'aménagement du bateau. J'ai reçu des tôles. Donc, tôles aluminium en 2 mm d'épaisseur, font 1 mètre par 2 mètres. Du coup, je réfléchis bien au calepinage, ça coûte assez cher. Donc, on va en mettre tout là où je vous ai expliqué la dernière fois. On va en avoir là-bas, je réfléchis, voilà, pour les longueurs, etc. Et j'ai regardé le procédé qu'on va utiliser pour pouvoir cintrer et faire les angles qu'on va avoir là-bas. Je vais pas faire des feuilles juste séparées, je vais essayer d'avoir quelque chose de continu pour avoir moins de découpe, moins de chute et quelque chose de plus propre. Mais pour ça, il faut que j'arrive à bien bien le faire, que je me plante pas sur les angles, etc. pour que ça rentre correctement. Donc c'est parti pour découper ces tôles et les cintrer. Bon, voilà, j'ai fini de découper tous les panneaux. Tac, celui-là, il va ici. Il me reste encore sur l'autre plaque à découper. Ceux-là, je les ferai après. Il me reste la partie ici que je ferai après également. L'autre panneau pour l'intérieur du coffre, il est là-bas. Et après, j'aurai une partie sur le côté pour avoir le retour avec un passage de câble à l'intérieur, etc. Et il me restera, en fonction des chutes, la partie là à refermer également. Là j'ai passé une tôle avec très très peu de chute au final. J'ai ça que je vais pouvoir réutiliser. De la première tôle, il me reste ce bout là et ce bout là. Donc j'ai quand même bien optimisé. Faudra que je fasse pareil pour la deuxième pour avoir le moins de pertes possible. Donc là c'est pas mal et avec une tôle j'ai bien avancé et il m'en reste la deuxième. Donc je vais commencer à fixer. Donc je vais commencer par la partie arrière à fixer ces tôles là en place, ce qui va me permettre après de pouvoir me reprendre dessus pour finir de refermer cette partie là. Et ça me permettra de voir plus clair pour voir comment je fais le passage de câble là tout le long. Je vais faire une goulotte, je sais pas exactement encore comment je vais la faire, mais ce sera plus clair et après je ferai cette partie-là et la marche qui doit venir ici. Donc il y aura une petite partie qui va remonter et revenir là, au milieu, ce qui va me permettre d'avoir une marche et un petit coffre à l'intérieur. Elle va être sur charnière pour pouvoir ranger du bordel dans la marche. On perd aucune place comme ça. Mais je suis content de l'angle que ça donne. Ça ouvre vachement, on a de la place au niveau des pieds, il y a la place de mettre un bac en là, il y aura la place d'en mettre un dessous la console, donc ça permet de prendre du matériel en plus facilement, de prendre une glacière, etc. facilement. Donc allez, c'est parti, je sors la structure arrière pour attaquer de fixer ces tôles-là en place.
Ça y est, j'ai fini de fixer les tôles en place, c'est nickel. Maintenant, je vais créer la marche qui va être là. Donc, je vais me prendre là-dessus pour faire la structure, qui va être au même niveau que la marche arrière, là où il y a les sièges qui sont posés, donc pour passer au-dessus. Donc allez, c'est parti, un tube ici, des cornières autour, pour pouvoir s'appuyer dessus et un renfort devant. Ça y est, j'ai fini de peindre tout le fond de la coque. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de fixer le pontage en place pour pouvoir finir les dernières finitions de la structure du pontage et après découpe du plancher. Allez, c'est parti. Alors, avant de fixer toute la partie structurelle du pontage, j'ai rebouché la rigole. J'ai mis une plaque en alu par-dessus avec du tube en dessous pour tenir, ce qui va permettre d'avoir un fond plat. Il y a quelques écarts, mais dans tous les cas, c'est pas très grave. De toute façon, il y aura un revêtement par-dessus. C'est juste pour boucher, pour avoir l'évacuation d'eau en dessous. Il y aura après trois évacuations directement qui vont se jeter dedans, des grilles. Dans chaque coffre, une dans chaque coffre et une au milieu. Maintenant, j'ai tracé l'emplacement de chaque position de la structure, de chaque point d'accroche, et je vais tout coller. Et après, je vais utiliser des tire-fonds qui vont se prendre directement dans la coque. Et c'est pour ça que je vais tout coller au mastic et joindre ça à faire l'étanchéité également, pour que ce soit bien tenu, que ce soit à la fois souple, mais qu'il y ait l'étanchéité et qu'il n'y ait pas trop d'eau qui puisse rentrer à l'intérieur, même s'il y a une évac, etc. On va essayer d'éviter que l'eau rentre. Donc c'est parti, je vais mettre une bonne couche de Sikaflex sur tous les emplacements et je pose et je visse.
Ça y est, le pontage est fixé. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser par-dessous, sous les coffres, de la mousse polyuréthane qui va permettre de stabiliser le dessous pour être sûr qu'il n'y ait pas de flexion, parce que j'ai un petit jeu de 1 cm, 1 demi-centimètre environ, pour que le coffre, le fond du coffre soit stable et être sûr qu'il ne qu'il casse pas dans le temps. Donc je vais égaler avec la mousse, glisser le tuyau en dessous et injecter de la mousse au maximum, le plus loin possible.